Don't you walk the same. La voix de la diaspora. La radio de la diaspora. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous avez annoncé des événements pour les Ivoiriens. Qu'en est-il réellement? Merci beaucoup. Je profite pour présenter mes voeux à l'ensemble de nos amis de Radio Côte d'Ivoire FM. Vous vous rappelez bien, nous avions des projets. Quand le 13 septembre, nous avons célébré la Journée africaine de la technologie et propriété intellectuelle. Après cela, nous étions vraiment à la recherche de moyens pour envoyer une délégation ivoirienne, une délégation d'inventeurs de Côte d'Ivoire au Salon international Bruxelles Innova à Bruxelles, en Belgique. Et donc, je me rappelle que vous nous aviez donné l'occasion de lancer un appel à financement. On avait besoin de 9 millions. Nous avons obtenu que 1 million du ministère de l'Industrie. Mais donc, les inventeurs voulant y aller tout de même ont dû puiser dans leurs propres ressources pour effectuer ce voyage. Nous sommes donc allés avec une délégation de 5 inventeurs. Dont 3 ont été exposants. Madame Dosso Awo, qui a exposé dans le domaine du conditionnement du sous-marin. Mambo Anselme Timou, qui a exposé dans le domaine de l'enseignement innovant des mathématiques. Et nous avons M. Dagri Tevi Simplice, qui a exposé sa broyeuse compacte mobile, une sorte de broyeuse universelle. Et on est revenu, tous ces exposants sont revenus avec des médailles. Monsieur Dagri avec une médaille d'or, Madame Dosso avec une médaille d'argent et Monsieur Mambo avec une médaille d'argent également. L'ensemble de la délégation, puisque nous constituons, nous avons pris un pavillon, l'ensemble de la délégation est vu attribuer la médaille d'or de l'Université Polytechnique de Bucarest, qui est partie prenante à l'organisation de ce salon. Et le camarade de TV, Dagri, a eu un prix spécial, donc la qualité de son invention. C'était donc un grand honneur pour la Côte d'Ivoire. Nous deux, moi, Koulibaly Pierre Dibril et le professeur Emeroua qui était avec nous, il est inventeur, mais il était aussi représentant de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire. Et nous deux, nous étions membres du jury. Donc les 300 inventions qui étaient exposées ont été évaluées. Et nous sommes revenus avec les résultats que je vous ai annoncés tout à l'heure, un résultat vraiment excellent. Je félicite donc l'ensemble des membres de cette délégation. Nous sommes revenus surtout avec une promesse que nous avons obtenue après une discussion sur place là-bas avec les organisateurs. La promesse que les organisateurs de Bruxelles Innova, qui étaient à sa 65e édition, viennent avec nous pour organiser le même salon international à Abidjan que nous avons appelé Abidjan Innova. Nous espérons que le prochain salon sera Abidjan Innova 2017 qui viendra s'ajouter aux autres salons Innova, Barcelona Innova, Bruxelles Innova. Abidjan viendra comme le salon qui se tient sur terre africaine. Il faut dire que nous étions le seul pays africain présent à ce salon international demi-centenaire parce que depuis 65 ans ce salon se tient. Les inventions viennent de tous les pays, de tous les continents et c'était la première fois qu'il y avait le continent africain. Et on a été fiers de représenter donc non seulement la Côte d'Ivoire, mais à travers la Côte d'Ivoire, on a représenté l'Afrique entière. Nous avons d'ailleurs été reçus sur place par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Il nous a reçus dès notre premier jour quand on est arrivé. Et nous avons eu donc ces encouragements et le salon Abidjan Innova 2017. D'accord, Abidjan Innova 2017 qui sera projeté sur l'écran radar de tout le monde. Est-ce qu'on peut aussi avoir la date et puis on peut aussi avoir les objectifs même de ce salon? Alors le salon international des inventions Abidjan Innova est comme tous les autres salons internationaux qui sont connus mais qui ne sont pas nombreux. On connaît le salon de Genève et on connaît le salon de Bruxelles. Et puis bon, il y a un autre salon mais qui n'est pas spécifiquement invention qui a lieu sur terre américaine. Nous organisons ce salon Abidjan Innova pour repositionner la Côte d'Ivoire sur le terrain de la recherche, l'innovation technologique, des inventions, de l'innovation, tout ce qui est progrès technologique. C'est donc important pour nous que ce salon ait lieu et que nous puissions véritablement faire émerger la Côte d'Ivoire également dans ce domaine, puisqu'on va à l'émergence. Donc nous pensons que nous allons faire émerger également la Côte d'Ivoire
Sur un terrain qui n'est pas le terrain habituel de la Côte d'Ivoire, la recherche, l'innovation technologique, les inventions aujourd'hui sont dominées par les pays que nous connaissons, les pays leaders en Europe avec Intersalon, qui va regrouper toute la science mondiale en termes en matière d'invention sur terre ivoirienne, une fois chaque année. Donc on commence par Abidjan 2017, mais ça va être chaque année, à peu près à la même date, ce salon aura lieu ici chez nous. Nous allons donc drainer des sommités mondiales sur la terre ivoirienne, des sommités mondiales en termes d'invention. Donc des gens qui viendront de partout, quand je dis partout, c'est vraiment la Chine, c'est la Russie. Nous aurons l'avantage sur le salon de Bruxelles et de Barcelone d'avoir un grand nombre de pays africains qui vont participer. Et bien sûr, ça va être un terrain plus facile pour les autres inventeurs et innovateurs, les centres de recherche en Côte d'Ivoire, de se faire connaître et de se frotter au sommet mondial. Donc c'est un peu ça le but. Ouvrir la Côte d'Ivoire au monde entier. Cela va certainement contribuer à repositionner la Côte d'Ivoire, à améliorer le classement de notre pays sur l'indice mondial de l'innovation. Nous sommes très, 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 très mal classés. Nous sommes parmi les avant-derniers dans le classement de l'OMPI, l'Office mondial de la propriété intellectuelle. Il va de soi qu'il n'est plus possible que la Côte d'Ivoire soit dans la deuxième moitié du classement. On va se retrouver en tête du classement. Et je crois que ça aussi, il ne faut pas jouer avec, parce que c'est vrai que tout le monde dit l'agriculture fait ce pays, etc. Mais tous les pays font l'agriculture. La France vit de son agriculture, les autres pays. Un développement, nous le pensons. Nous pensons que nous avons intérêt, comme nous savons si bien le faire, à développer cet aspect qui est l'innovation technologique. Nous en avons les moyens, nous avons la culture de l'excellence ici. Et si les autorités, avec nous, bien sûr, qui sommes acteurs sur le terrain, nous travaillons ensemble, bientôt la Côte d'Ivoire va être un exemple, un modèle de réussite dans ce domaine-là également. Côte d'Ivoire FM. Côte d'Ivoire FM. Présent aujourd'hui, tout le monde est soulagé, il faut le dire. Alors je voulais savoir, est-ce que ces médailles dont vous avez reçues lors de certaines grandes cérémonies ont été présentées aux autorités ivoiriennes? Bon, nous sommes arrivés au moment où c'était le lancement des élections législatives. D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas resté de côté parce que j'ai été élu député suppléant de Port-Boué. Donc, on était c'est la bonne nouvelle, en fait. Merci. Nous étions tous occupés à nous faire élire et chacun de son côté. Donc, je peux comprendre que les autorités également qui devaient nous recevoir, c'est maintenant qu'elles devaient commencer à regarder. Immédiatement après, c'était le nouveau gouvernement, etc. Donc, il faut laisser les gens s'installer. Donc non, on n'a pas encore été reçus, mais nous avons commencé à être consultés. La semaine dernière, nous étions avec le CPC, qui est quand même une grosse structure avec laquelle nous avons intérêt à travailler pour préparer ce salon international, parce qu'après, à travailler avec nous, il y a l'OIP qui nous a déjà reçus et qui attend de nous des précisions concernant la manière dont on veut que les choses se passent pour les prix. Nous nous adresserons au ministère et nous pensons que bientôt nous serons reçus. De toutes les façons, très bientôt, nous allons, s'il n'y a pas de réaction ici et là, nous allons inviter la presse autour d'une grande conférence de presse où nous allons vraiment échanger et pour permettre aux médias au moins de donner un retentissement à cet événement que nous avons gardé jusque-là un peu sous le ténoir pour que la chose se fasse bien. Donc, très bientôt, une conférence de presse. Ici et là, nous espérons que nous serons reçus par les autorités pour leur présenter vraiment tous ces prix qui ont été donnés à des inventeurs ivoiriens, mais au nom de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui bénéficie, en fait, largement. Absolument. Chaque fois qu'on donne un prix dans ces salons-là, on précise d'abord le pays. Donc, c'est vraiment pour la Côte d'Ivoire. Et nous ne pouvons pas garder ça par devant nous sans que les autorités puissent effectivement prendre acte de ce que la Côte d'Ivoire a eu ces privilèges-là. Nous avons, vous l'avez rappelé tout à l'heure, on avait en décembre envisagé une soirée gala des inventeurs. Lorsque nous sommes revenus de Bruxelles, je vous l'ai dit, on est tombé dans les histoires d'élections et plus personne n'avait d'oreille. Mais présent à les élections préfet, est-ce que maintenant le calendrier qui est caché, est-ce qu'on ne peut pas faire sortir le calendrier pour que le calendrier soit exécuté?
Nous prévoyons le 17 mars pour la soirée gala des inventeurs. Et ça va être une soirée de retrouvailles entre inventeurs certainement, mais surtout tous les partenaires et bien d'autres, tous les partenaires qui travaillent avec nous pour faire avancer la chose qu'on appelle l'invention. Nous allons à cette occasion également reconnaître les mérites des uns et des autres qui participent à l'évolution du domaine. On n'est pas obligé d'être inventeur pour faire avancer l'innovation technologique. Il y a d'autres acteurs qui travaillent, quelquefois même plus que les inventeurs, pour faire avancer les choses. Et on aura l'occasion. Ce sera aussi l'occasion de lancer le fonds de garantie pour des prêts aux inventeurs. Un fonds de garantie pour des prêts aux inventeurs va venir régler un problème. C'est que les inventeurs, une fois qu'ils ont leur brevet d'invention, ils n'ont pas, les banques ne sont pas dotées de moyens pour financer une innovation de ce type-là. Leur système de fonctionnement est difficile et l'inventeur se retrouve sans moyens. Alors nous proposons de créer un fonds de garantie pour que les inventeurs voudraient continuer à investir dans leur, auprès des banques, mais sous garantie. Donc ce fonds viendrait les soutenir et soutenir leur prise de risque avec les banques. Nous espérons qu'à cette occasion-là, un grand nombre de sommes. Donc, les années qui vont suivre, nous allons continuer à ravitailler ce fonds de part. Ça peut être au plan national, au plan international, mais pour que les inventions en Côte d'Ivoire ne souffrent plus de ce manque de moyens qui plombe nos 250 inventions qui sont actuellement là. Les quelques-unes qui sont exploitées de façon artisanale. Ce n'est pas normal, ce n'est pas ce qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est que les inventions deviennent des produits d'industrie exportables, des produits exportés parce que la Côte d'Ivoire, sur chaque invention, un droit d'exploitation exclusif de 20 ans. Donc, on ne peut pas avoir tous ces avantages-là et puis ne pas exporter. C'est quand on exporte que ça devient avantageux. Donc, nous sommes en train de travailler sur ça et bientôt, nous allons faire l'annonce officielle. Je crois qu'à l'occasion de la conférence de presse que nous allons organiser, nous allons en même temps annoncer. Le président rappelle le nom. Coulibaly Pierre Dubril, inventeur en informatique, président de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. Merci bien, président. Merci beaucoup.